Bonjour, donc je vais vous faire le tour du Kino El Guardian. Ici, on a l'endroit où on peut se reposer là, entre deux plongées. C'est le pont supérieur, c'est ça? Oui, exactement. Avec une belle vue. Donc, dès qu'on a un petit moment, là, on en profite pour se reposer un peu. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer entre les plongées. Parfait. Donc, là, on va descendre. C'est toujours important dans un bateau de descendre comme ça, en fait. En cas que s'il y a des vagues, on peut bien se tenir pour ne pas tomber. Donc voilà, on peut continuer. Parfait. Donc ici, c'est le deck de préparation. C'est là qu'on vient s'arranger là, tous les matins, en fait, avant chaque plongée. On peut voir au milieu là, la petite table de travail. Ouais, donc ici, c'est une table de travail qu'on peut faire des analyses là, d'eau, tout ça. Il y a une bonne musique pour faire les analyses d'eau? Oui, il y a toujours de la bonne musique qui nous met dedans, qui nous entraîne à faire la plongée. On peut voir les douches. Ça, c'est les petits lavabos qu'on a. Là. Donc, c'est tout là qu'on se brosse les dents. Puis, donc, toute notre toilette fait ici. La nuit, c'est sympathique. Hein? Oui. On n'a pas à bien se connaître. Il n'y a pas vraiment d'intimité sur le bateau. Donc. On peut voir, ça c'est le petit tableau là, du planning de la journée, donc quand on mange, quand on fait nos plongées, les pauses, tout ça. On peut voir ça ici sur le tableau. Parfait, venez! C'est très beau la vue toujours. Parfait, maintenant on rentre dans la cuisine et on mange. Donc c'est ici qu'on mange nos 4 repas par jour, souvent 3 services, donc on n'a jamais faim sur le bateau. On peut voir le menu ici. Oui, on mange bien sur le bateau. Très, très, très bien. Ça, c'est la cuisine avec le meilleur chef. Hello! Ici, c'est... le salon, où on peut se reposer, mais aussi la TV peut servir pour des présentations éducatives, tout ça. Puis ben, là, ça se transforme aussi en un bureau là, pour faire l'analyse des données, tout ça. Puis là, on va descendre dans les cabines, c'est ça? Oui, là, on va aller. Je vais te laisser descendre de façon sécuritaire. Oui, toujours comme ça. C'est nos chambres. On peut voir que c'est très restreint comme espace. On a des petits rideaux pour notre intimité. Puis la climatique, tout ça. Donc voilà, le tour du Kino El Guardian. Merci beaucoup, Kim. Plaisir.